m'appelle Mustapha Sall, je suis instructeur sénégalais d'abord, ensuite instructeur FIBA. Je suis en charge de la formation et je fais partie des encadreurs permanents. Cet après-midi, on devait intervenir sur les compétences défensives dans le jeu à 3 contre 3 et le jeu défensif dans le 3 contre 3. Il s'agissait pour nous de donner les fondamentaux, disons, collectifs en attaque et en défense. L'objectif, c'est d'abord de donner une base. Comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord les fondamentaux collectifs. Parce que si on n'a pas de bons fondamentaux au plan collectif, il est très difficile de mettre une stratégie ou bien un système de jeu en attaque comme en défense. C'est pourquoi la base du travail en dehors des fondamentaux individuels, on commence par les fondamentaux individuels que nous avons déjà vus dans le niveau 1, dans le stage animateur, initiateur et premier degré. Maintenant, on passe à un niveau maintenant supérieur pour mettre en place les fondamentaux collectifs. C'est ça que nous avons vu cet après-midi, avec maintenant surtout en défense, de voir les réactions défensives côté ballon et opposé ballon. En attaque aussi, c'est la même chose, de voir le jeu côté ballon et le jeu opposé ballon, toujours dans le jeu à 3. Pour le moment, touchons du bois, j'ai bien apprécié leur réaction. Je vois que certains ont du vécu, c'est important, c'est bon. Ils ont participé aussi au stage et le nombre est important. On a une trentaine de candidats, peut-être qu'on pouvait avoir plus, mais je dis, c'est quelque chose qui est appréciable pour le moment.